précédemment dans Pékin Express. JC et Marceau se sont donc dirigés en direction de l'Autriche. Ils sont arrivés à Graz. Et pas Gaz. J'ai déjà fait la blague dans l'épisode 1, je me recycle. Sacha et Benji sont allés direction la Pologne à Tchétchine. Les deux équipes ont avancé à peu près à la même vitesse. Joseph, un ange tombé du ciel, qui ressemble grave au mec dans Taken de l'amnison dans Taken. C'est le même gars, mais en version juste bienveillant. Donc Joseph a emmené Jules et Marceau dans une petite aire de repos à côté de Rosenheim, pas loin de Munich. Benji et Sacha se sont fait prendre par plusieurs voitures jusqu'à arriver à Hambourg. Mais arrivé la fin de journée, les deux équipes se sont retrouvées bloquées chacun dans leur ville. Sacha et Benji, après s'être fait gentiment payer un train, sont arrivés à Bremen et se sont retrouvés bloqués dans la ville. Et Gilles et Marceau n'ont pas réussi à bouger d'un mètre de l'aire d'autoroute de Rosenheim. Nerveusement, les deux équipes ont pris un coup, le jour se lève et on les retrouve. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cet épisode 2 de Pékin Express. Je comprends pas tes signes. Moi, ouais, il est trop fort, lui, il me fait des signes. Il fait ça, ça, ça. Ça, frère, on comprend plus rien. Ah ! Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je crois qu'on a perdu Pékin Express 2. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Je crois qu'ils ont avancé, eux, frère. On a trouvé une gentille maman, apparemment. Aral Gas Station. Alors, l'heure d'autoroute, elle nous a baissé la gueule. On a passé une saison entière de Pékin Express. Là. On est bloqué depuis combien de temps là? Ça va faire 10 heures là, 10-12 heures. Du coup, peu importe si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ouais, on arrête, là, on le change. Le professeurès, là, il faut qu'il se réveille un peu là. On aurait pu faire ça il y a vraiment genre 9 heures. Là, on continue un peu sur l'autoroute et après, on prend une des premières sorties là qui s'offre à nous dans quelques kilomètres pour sortir à Pendlerparkplatz Profondorf. Et après, quasiment jusqu'à Stuttgart, c'est que de la route départementale nationale. Donc ouais. Là, on a déjà plus de chances de se faire prendre et on peut plus marcher dans la ville, genre pour avancer. Donc je pense qu'on va marcher jusqu'à cette ville. Une heure et demie de marche là. Vas-y. Let's go. Bon, au final, la forêt un peu galère, parce qu'on marche sur le bord. Bon, les frères, ça reste entre nous, hein. Vous savez, c'est pas le meilleur truc à faire aussi, ça. Là, au moins, on marche tout droit, là. Tout droit, on s'arrête pas. Et on est derrière la barrière de sécurité. J'ai eu la merveilleuse idée avec Sacha de demander à la prochaine voiture de nous arrêter à la prochaine gas station, ce qui a marché du premier coup, on va pas se cacher. T'as su que c'est fou. Thank you, bye bye. Oh, les pieds sont trempés, sa mère. Oh, terrible. Oh, le pantalon et tout, je suis trempé, putain. Oh non, c'est chiant, putain. Mais qu'est-ce qu'on fout, cette putain d'aventure de merde. Les gars, je vous le dis, c'est le dernier Pékin Express que je fais, ça y est. Maintenant, il faut trouver... On va à Amsterdam, ça. C'est pire ici, hein. Putain. Bon, dès qu'on se pose dans la petite ville, on change de pantalon. De chaussettes. Bon, les chaussures, tant pis quoi. Si on gagne la course avec ça, c'est lunaire. Il y a vraiment une équipe qui a fait full ville et nous full campagne quoi. Tout ce que je sais, c'est que j'en pouvais plus de cette aire de repos de merde. Et maintenant qu'on est dans l'herbe mouillée, je me dis c'était pas si mal hein, l'air de repos debout comme ça. Mais on va se faire percuter par un tramway là. On marche sur les voies? Non, on va en face. Et mais toi, t'es Spider-Man au voyage ou quoi là? Tombé comme du n'importe quoi. Ah, j'étais stylé, frère, j'ai failli me retourner le genou. Bon, on a profité avec Sacha pour demander du carton. Allez, une nouvelle affiche. Wesh, il a jeté un truc par la fenêtre comme ça. Enculé, il est où là? On est où là? L'environnement. Mais en plus, c'est un truc en verre, ça veut dire il peut crever les pneus et tout. C'est une merde, hein, jusqu'au bout. Mais c'est vrai, ouais, c'est juste une merde, c'est abusé. Il y a beaucoup de chances pour que ça soit une bière, genre. Bah, rien qui va. Oui, en plus, au volant, du coup. Ouais. Rien ne va. Destination Osnabrück. Bastel. Dortmund. Help us to win the race, please. Ouais, ça va faire bébé. Il y a un lac là, mais il y a un seul pont. C'est pas grave, on passe sur le pont vite fait. Enfin, on va se mettre à nager non plus. Hein. Du coup, faut pas trop s'éloigner de l'autoroute. Chiant. Bon, on avance, on avise. Ça va être ça, là, le slogan de notre aventure. On avance, on avise. Là, je marche vraiment sans but comme un somnambule. Regarde en face de nous. Waouh, rien. Dans quel état ça nous met, cette merde? Putain, je rêve d'avoir un appel de Sacha qui fait « On est à Paris et on rentre ». Hello. Vous voulez voir qu'on vous filme? Non. Good day. Toujours le petit mot de poli à la fin. C'est jamais ces choses de vie.
On est bloqué. On avance comment là? On marche sur les cailloux? On remonte? Vas-y. Sinon j'ai mon paddle. T'as pris ton paddle? Toujours mon paddle. Mais t'es un malade mental toi. Hein. Mais hé, ça sert là? Bah vas-y, bah là, là, let's go, on le gonfle. Vas-y. Il est crevé quand je suis tombé tout à l'heure. T'es pas tombé? Si. Faut aller c'est toi qui te dégonfle. Pas mal ceci. Comme mon idée des cailloux, elle était pas dégueu non plus quand même. Mais après tu marches dans la forêt. Non, on aurait pu marcher sur les cailloux et après marcher jusqu'au pont là-bas. On aurait pu nager aussi là, jusqu'au pont et traverser. Allo? Non. On va se faire plomber la gueule. On va se faire plomber la gueule, c'est terrible. J'arrive pas à envisager la victoire quand je me retrouve là. Fouh ! Faut qu'on arrive à Stuttgart ce soir, d'une manière ou d'une autre. Bah là y'a le pont, on peut choper le pont direct là. Du coup la sortie elle est juste là. Incroyable. Incroyable. C'est nickel, on est bien. Genre sur le GPS tout à l'heure sur Google Maps, il fallait prendre cette sortie. Pour aller à Stuttgart, on compte pas sur l'autoroute, on prend cette sortie là. Le Rhin c'est un organe, c'est pas un fleuve. C'est pas les côtes là, fils de pute. C'est pas l'estomac ça. Non mais sérieux. Concentre-toi sur la route, va, je te garde. Ok, bon là c'est fermé là-bas. Redescends et on reprend par en bas. Ok, bon on va rejoindre la ville. Pour l'instant on est pas mal. Mais attends, mais la silhouette de ce mec, elle me terrifie. Viens. Ok, on est sorti de cette putain de forêt. On a rejoint la ville du coup du truc. Et peut-être tu les as eus ? Monstrueux. Justement, c'est ce que j'allais expliquer. On a un peu forcé la main. Je suis venu direct m'installer au fond d'une boulangerie et Marceau il allait lui redemander. J'ai baragouiné du français, du anglais, de l'allemand. Et on a réussi à avoir quoi ? Sur... 3 petits croissants. Oh oui. Oui. Bon appétit mon morceau. Bon appétit bébé. Allez après on reprend, on bombarde. On est parti, on est direction Munich ou direction Stuttgart ou direction Ulm. On s'est changé, on s'est remis un petit peu au sec. Coup de barre Marceau. Non mais là ça va, je suis plus confiant. On a passé le plus gros là, je suis chiant là. Non, bon, c'est un échec cuisant en bas là. Il faut vite réagir pour perdre le moins de temps possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la gare de Rosenheim, qui est à 2 km d'ici. Donc, on a 35 minutes de marche. On va aller à la gare, on va essayer de se faire offrir un billet de train pour Munich. C'est des petits trains courts qui durent 30-35 minutes. Donc, ça devrait pas coûter très cher. Et si on arrive à être convaincant, on peut peut-être se faire offrir un billet de train. Et si on arrive pas à se faire un billet de train, on arrivera à se faire invisible dans le train peut-être. Ah, oh, c'est difficile hein. Là, je pense que jusqu'à Stuttgart, ça va être une galère sans nom. L'énergie qu'on mettait pour choper un stop, on met la même énergie pour qu'on nous achète un billet. Rosenheim, Munich. Munich, Stuttgart, train, on est les princes de la ville. Ça, ouais. On va voir ça, direction gare de Rosenheim et on va voir comment ça pétait un plomb intérieurement. Je perds patience. On est arrivé à la gare de Rosenheim. Personne, y'a pas un rat, on achète tous les billets. Mais on est que nous à la gare. Ah c'est emmerdant là. Appelle Sacha. Allô Sacha. Allô. Comment ça va l'équipe? Ça va. Il est trop suspect. Bon Sacha, on voulait se faire offrir un billet de train, sauf qu'on est dans une gare. Y'a pas un gars qui même un mec qui nous vend les billets pour qu'on lui parle. On vous appelle pour savoir si on peut entamer une négociation. Il t'avance de combien le train? Oh c'est un train de 50 minutes. Ok, alors moi ce que je propose c'est que tu prennes un billet de train, on veut prendre une nuit d'hôtel. Pour une distance max de 150 km. C'est beaucoup moins. Mais distance max de 150 km? J'ai pas ça, c'est moins. Merci. Ça marche, on fait comme ça, bon courage les gars. Et pas du tout, elle hein. Non. Marceau. On n'a pas fait une fraude. Mais... On s'est fait payer un billet, on est resté dans le train. Oui, donc tu as fraudé le train. Donc vous avez fraudé le reste du trajet en soi. Bah de toute façon, faites ce que vous voulez, dans tous les cas, vous allez perdre. Donc avancez vous-même 300 km. Si vous... Non. Nous, on va prendre une nuit, on sera toujours devant, frérot. Ça marche, merci. Merci, Benji. Merci, pas de nuit d'hôtel, hein, puisque vous avez fraudé. Comment ça? Non, vous êtes des ouf ou quoi? Une nuit d'hôtel, c'est une nuit en moins pour eux, hein, sur l'avancée du trajet, cousin. On s'en bat les couilles de dormir dans un hôtel, nous. Ouais. On leur donne l'hôtel. Bah s'ils veulent, mais... On s'en bat les couilles, frère. Si tu veux, vas-y. Ils vont rester au moins 8 heures dormir, gros. Prenez l'hôtel, on prend le train. Vas-y, c'est bon, pour moi c'est bon, vous pouvez prendre.
Ce qu'ils ont fait, je vous explique, ils ont pris un train tout à l'heure, ils ont réussi à se faire offrir un train. Ou hier, je sais plus. C'est un micmac, mais la vie de mer, qu'on s'est fait payer un train dans lequel on est resté. Mais, genre, ils se sont endormis dans le train et ils ont continué encore plus loin que ce qu'ils devaient faire. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont fraudé la suite du trajet. Tant pis, disons qu'ils se sont endormis, nous, c'est pas grave, on joue fair play. Y'a aucun problème. Là maintenant, nous, on veut frauder un train. Donc on les appelle pour jouer encore fair play. Ils nous autorisent s'ils prennent une nuit d'hôtel. On veut bien, on a besoin de frauder ce train, littéralement, on en a besoin de ce train-là. Et ils perdent du temps dans leurs années. Allez dormir dans l'hôtel, cousin, allez dormir, passer la nuit. Ce train-là comprend. VS une nuit d'hôtel, c'est mirobolant la proportion oui, voilà, mais c'est pas grave, moi je préfère leur donner leur nuit d'hôtel. Comme ça ils perdent du temps, dormez dans l'hôtel. Ouais. En fait, c'est son cas où ça fait deux jours ils ont pas fermé l'œil, ils sont explosés. Et les gars, c'est pas de la triche parce qu'on voulait se le faire offrir à la personne. Non, c'est pas de... frère, c'est pas de la triche parce que là on la joue fair play avec l'équipe. On peut pas faire plus fair play que ça. Regarde, où on peut jouer là le billet de train là. On est d'accord, c'est bon. Ouais. Ils sont fatigués. Mais la nuit d'hôtel égale perdu. Ils sont fatigués de ouf, frère. Ils sont KO. On les a eu à la fatigue. Je te garde ce soir. Je te garde ce soir, on y... 100%. 100% on y est ce soir. Ok. Et on se fait une petite nuit d'hôtel. Bah non, on a perdu le truc. On a perdu la cartouche de l'hôtel du coup. Les gars, on a été obligés de ressortir les frères Ferdinand là. J'ai l'impression que les gens nous voient comme des mecs en fait hyper sales, ultra en galère. En soi, c'est ce qu'on est un peu. On met ça. Mais on a un prétexte. Une mer au carré. C'est vrai. Allez, on y va. On prend ce train là d'ailleurs. Juste là. On va à Munich. Et de Munich, on va à Ulm. ULM. Et ça nous aura bien avancé déjà. Et eux, ils prennent leur nuit d'hôtel, confort, tout confort, etc. Et tout. Je comprends pas la strat. Il y a une Mercedes qui va en France, mais malheureusement il est complet. Mais le monsieur est trop gentil, il nous amène quand même, il nous rapproche. C'est incroyable. Mais il est en retard donc on se dépêche. Désolé pour le plan, il va être catastrophique. On va aller contrôler. Alors, we don't find where buy the ticket. Merci beaucoup. De rien. Du coup, on va. C'est passé quand ? La meuf, elle a juste été saoulée qu'on comprenne rien, elle est partie. Attends, c'est parce qu'il y en a un. Ah oui ? On va aller à la France, mettez-vous à une. Votre poste pour la gasoline sur la autoroute. Et vous, là, vous nous déposez sur la A1. Non. Je suis désolé parce que normalement, quand j'étais seul, c'était parfait pour vous d'aller à la France immédiatement. Oh, on aurait gagné, c'est sûr. Du coup, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va de là où on était là, je sais plus c'est quoi, comment ça s'appelle, à Munich, ça fait 50 km. Et ensuite, les autres 50 km, on les fait pour aller à Augsburg, qui est à 50 km de Munich. En fait, on fait 100 km de train, on sort de Munich, on va vers Augsburg, qui est déjà plus près de Stuttgart. Ouais. Donc ce soir, c'est envisageable, Stuttgart. Ah, c'est clairement envisageable. Si on a de la chance, c'est envisageable. Eh ben, c'est nickel. En fait, le gars, on allait voir, il était en Mercedes. Et vous savez que depuis le début, on aime trop les Mercedes. Je fais mon speech de d'habitude, mon baratin habituel. Et il dit, oh, c'est trop dommage, je vais en France tout de suite, mais j'ai pas de place. Je dis, comment ça vous allez en France? Je vais à Mâcon. C'est quoi, pas de place, tu vois? Il dit à ma collègue avec son chien, j'ai des habits, ses bagages et tout, c'est pas possible, je suis trop désolé et tout. On était dégoûtés, au fond, juste au fond. Il part, il revient, il fait, je peux vous avancer à un endroit un peu mieux que là où vous êtes et tout. Donc là, on a failli prendre un gars qui allait directement en France. Il nous aurait été à genre Strasbourg ou Lyon. Et rien n'aurait été apparu dans la journée, on aurait fini là. La haine, les gars, franchement, la haine de fou, parce que vu comment on est KO, frère, j'aurais dormi pendant 5-6 heures dans sa voiture, c'est incroyable. Ok, on est à Munich, direction le deuxième train qui va nous faire avancer de 50 km encore. Est-ce que la deuxième fraude va passer comme la première? C'est fou comment elle est passée. Ouais, c'est pas ça. On chope le train, on rentre dedans et on voit encore une fois et on verra. On avance. Quand on sera à Augsburg, on aura déjà pris un petit peu d'avance. Si on continue, on lâche rien. Vous connaissez le dicton, ne l'oubliez surtout pas celui-là. Tu l'as retenu? Ouais, ça veut dire attention à vous sur la route. Et t'inquiète pas, on lâche rien, toi qui regardes cette vidéo. On fait une petite pause, on se repose, je sais pas moi, une demi-heure et on repart. On va faire une garde alternée. Il y en a qui vont garder les batteries, ben l'autre va tchatcher. Les yeux se ferment pendant que je parle, ça c'est fou. Hein. Voilà l'équipe. Ah, j'espère qu'on va réussir. Je sais pas si c'est lui, mais il y va. Bah, s'il y va, on prend lui, hein, donc sa mère. Hein. J'espère qu'on va pas se faire niquer. Le morceau, il n'a pas l'autorité. On va me faire gronder. Oh là là, allez, est-ce qu'on va trouver au burn, là, au burn. Danke. Chambé. Pas de contrôle. Augsbourg. Allez, maintenant, il faut rejoindre l'autoroute. Putain, je suis explosé, putain. On change de station apparemment, personne veut nous prendre, c'est aberrant, c'est un truc tout fou. Imagine, on change de station. Les deux tendons, ils sont en train de gonfler, c'est un bordel, je suis épuisé. On a rejoint le côté un peu de l'autoroute et tout. Là, l'idée, c'est d'aller vers Stuttgart, donc on a pris la vraie route principale qui va vers Stuttgart. Faut reprendre le stop, on va descendre par là, on va se poser sur cette route-là. Nickel. Même là sous le pont on est bien comme ça. Il roule vite tout le temps quand même hein.
in Stuttgart? No. No, no problem. Thank you. On n'est pas loin de Stuttgart. Si on arrive d'ici ce soir à Stuttgart, on peut envisager un potentiel Strasbourg peut-être dans la nuit ou demain matin, Max. On a notre petit hôtel. Il y a une odeur de pieds d'ailleurs dans la pièce là. C'est une angoisse totale. En fait, on a vraiment marché toute la nuit. Et moi, j'avais tant de temps de marcher là que je suis en train de gonfler en fait. Et du coup, j'ai vraiment du mal à marcher, genre je marche vraiment comme un zombie. Thank you very much. Ah putain, il va pas acheter de garde, ils vont tous à Legoland. Il faut peut-être aller à Legoland. C'est ce que je te dis depuis le début. C'est peut-être mieux Legoland, non? Ça casse les couilles, on a oublié les panneaux dans le train. Si on allait à Stuttgart, ça s'arrêterait pas pour rien. T'as une charte blanche, il y a de la terre. On peut écrire Stuttgart. Vu qu'on part sur un voie où, il faut vraiment que je la joue safe et que je commence pas à me créer des inflammations. Mais le but, c'est vraiment le but de se niquer la santé. Donc là, c'est notre strat. Notre strat, nous, c'est là, on se repose, on prend une douche. On trouve à manger aussi, frère. On va se démerder pour essayer de manger un peu, genre avec le mec de l'accueil, il est sympa, peut-être il a des gâteaux et tout. Demain, on repart en mode nickel. Depuis 7h du matin, les gars, on demande on a juste fait 2 stations essence, station essence. On a reculé, avancé de 10 km. Tu sais, là, on a reculé encore. Non, ça change. Tu dormais. Tu m'as valdingué quand j'étais en train de dormir, je comprends rien. Comme si j'étais un colis USP. Puis on est d'une station essence, et là, je vois quoi? On est retourné à Arbourg. Tu veux que je te gonfle? On est où? On est retourné à Arbourg. Reste vite, on est où? Non. À Chisney. Arrête. C'est bien ce qu'on fait, t'es sûr là? Écoute, il est pas en train de nous foutre dans la nuit, ça? On marchait, on a dit à mes deux, je te garde. Ouais. Je vais derrière. Non? Si. De nouveau à Brel. Et là, on va prendre un jour de repos, frère. Vraiment que demain, je suis comme des fils de pute. Non, c'est ce qu'on va faire, on va charbonner. Vraiment, demain, à part si t'as. Mais heureusement, déjà, frère, on a rien qu'on a fait 7 heures, déjà aujourd'hui. Mais on fait, frère, on va. C'est une vraie journée d'un mec qui fait 35 heures, frère, ça arrive. On va dormir carrément, on va dormir dans un douillet. Donc là, ok, demain, on bombarde. Oui, après demain, demain, on pourra partir pour 48 heures après. Même plus. À part si tes talons ils lâchent, même plus. A year ago, I met him now. Ok. Il nous laisse une heure de repos. Ouais, je pense. Une heure de repos, ouais. Je pense que c'est pas mal, hein. C'est bien. Au moins, on est sûr qu'ils vont dans cette direction. Ok, vas-y. Elle est loin là ou c'est direct là? Je sais aucune idée. Non, anglais. Parle anglais, il m'a répondu déjà. Elle est loin l'air de repos ou pas? Je sais pas. Demain, on repart direct, y'a plus d'excuses, t'es chaud? Non, plus d'excuses, mais tu sais, demain, on peut même partir dès que le soleil se lève. Oui, c'est bon à faire. On se couche à 14h, frère, on peut partir à 6h. Oui, c'est bon à faire. Voilà, les gars, on a choisi de prendre les deux hôtels, on va se reposer. Non, mais il a dit un truc, mais j'ai pas de compris. Tu veux pas parler? Non, mais on va juste attendre et on verra. Ok, on va jamais acheter de garde. Vas-y, là on y peut partir. C'est vrai. On va parler avec lui un peu. Ah, t'es devant, frère. Tu vas rien dire, ça. C'est la pire vidéo de ma vie. Aucun kiff, zéro. What's your name? Johannes. I'm Johannes. Johannes? Yeah, okay. We'll be together. Yes, j'entends rien, je comprends rien. Oh non, il a dit just a joke. Bon, ça va, on avance bien. Bah, ouais, je pense, j'espère. C'est déjà énorme là. Je vais pas te mentir, je comprends pas ce qu'on fait. Mais on va vers Stuttgart. Ok. Bon, c'est bien, ça fait plaisir, on roule un peu là. Ah, t'as compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je viens de capter du coup ce qu'on fait. Je regardais par la fenêtre. J'ai vu qu'on avance. J'ai vu des voitures avançant en même temps que je fais d'accord, mais là en gros. Bon, au moins on a quitté le passage de Legoland. Ouais. Au moins maintenant il y aura beaucoup plus de gens qui vont vers Stuttgart quoi. J'espère bien. It's perfect. Okay. Yeah, perfect. No problem. Yeah, perfect, c'est un grand mot. Mais... Thank you so much. Marceau, c'est n'importe quoi. Je me sentais très mal. Qu'est-ce qu'on a fait là, frère? Le cousin, on a fait n'importe quoi, frère, là. Il nous a reculé et on doit traverser l'autoroute. Comment on s'est prendre pour Stuttgart? Bon, vas-y, disons, on arrive à traverser là-bas, on fait quoi? Il m'agresse pas, je sais pas. Oh non, c'est terrible. Oh putain, on était bien là-bas, en fait. Oh, Johannes, il nous a fumé la game, là. Oh là là. On a fait n'importe quoi, Marceau. On aurait jamais dû le prendre, lui. Oh. Ok. Et if you left us here, je crois en plus. Là, le frérot, quand même, va nous emmener à une petite ville en dessous de Ulm. Il va nous descendre un peu pour nous remettre droit. Et après, on aura juste à trouver une voiture pour nous remonter vers Stuttgart. Mais c'est un bordel là, on a fait n'importe quoi. Hello. C'est marrant. On a fait n'importe quoi, Marceau. On a fait n'importe quoi, c'est abusé de faire autant n'importe quoi. Do you do it with sleeping at night? Outside. For real? Yeah. Nothing. That's crazy, but good. Yeah. No problem. Putain, je comprends rien ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a fait encore?
Bon, je crois que si j'ai bien compris, Marceau, dis-moi si je me trompe. Et là, ils nous ont descendu vers Ulm et on est dans le bon sens pour retourner vers Ulm et Stuttgart. Ouais. Et là, on a juste à choper une voiture là qui nous prend pour partir. Maintenant, faut que quelqu'un vienne là, quoi. Oh là 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 là, c'est terrible. On s'est saboté la gueule. Les amis, comment ça va? On a dormi, on s'est douché, c'est un truc de fou, la douche, comment c'est important au final. Par contre, on a très faim, trop faim. Là, ce que je tente, il y a un McDo. Moi, je vais tenter d'aller négocier des trucs au McDo. La charité, elle est pas incroyable pour l'instant. Si, on avait que de l'eau, du thé, de l'eau. Un gars nous a passé des gâteaux, je crois. Mais ouais, c'est pas non plus incroyable. Ok, ça s'est passé des choses qu'il faut que je vous explique. Depuis le dernier plan que vous avez vu, je me suis rendu compte que j'avais plus de place dans la carte SD. Donc, je prends mon ordi pour vider la carte SD, pour pouvoir continuer de filmer. Au moment où je commence à vider la carte SD, l'ordi s'éteint. Plus de batterie. Du coup, moi, je commence à m'énerver. Ça y est, ma patience m'a atteint. Vous savez, maintenant vous le voyez d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de rush. Alors les batteries de la caméra commencent à tomber aussi. J'ai plus de batterie dans l'ordi pour pouvoir dérusher le Sony. Je boot, je commence à bouder. Marceau s'occupe de chercher des voitures. For this race, we can't use money to travel or to eat, like fries or potatoes or little. I don't think it's possible. You can't ask your director or something like that. Just for a little fries or little water or nothing. Sorry. Nothing. On attend 2 heures. On a trouvé une voiture qui nous a emmené jusqu'à Stuttgart. Un mec très gentil qui s'appelle Victor. Mais gentil et pas gentil en même temps. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il nous a pris. C'était ça s'est bien passé. Sauf que cet enfoiré de Victor, il a compris qu'on voulait aller dans le centre de Stuttgart. Du coup, il nous a laissé dans le centre de Stuttgart. Il parlait mi-allemand, mi-anglais. Et on a cru qu'il avait compris. On s'est endormi aussi. On s'est réveillé. Là, il a fait OK guys machin et tout. Et on fait mais it's not autobahn. For YouTube, I can show you the YouTube channel if you want to have something to eat, even like a little prize or. Thank you so much. C'est notre autoroute là? Non, Stuttgart! Et j'ai fait, oh fils de pute. Et en fait, on s'est pas compris. Comme il a vu qu'on était un peu embêté, il nous a payé le Burger King. Et ça, c'est le bon point de la soirée. Ah, ça fait plaisir. Au moins, on a mangé. On est à 110 km de Strasbourg, c'est ça, ouais. Thank you so much. Thank you. Have a nice night. Thank you. Bye bye. Je vous dis, bah, trop fait. Des frites, les gars. Putain, je voulais demander de la sauce curry, mais j'ai pas osé. Let's go, c'est fou. Je vais annoncer ça à Benji qu'on a des frites, ça va être fou. Il fait nuit, on sort de la ville pour retrouver l'autoroute et refaire tout stop. Bah en fait, si on n'est pas pris en stop pendant 1, 2, 3, 4, il va falloir dormir. Sinon, je vais te mettre une patate sèche. Pas deux, cousin. Je peux te dire que ça, tu vas tourner des papilles. Marceau, toi, tu as vu comment on part de la ville, comment on sort pour aller vers l'autoroute? Faut marcher énormément. On peut frauder les transports en commun. C'est moins loin, du coup. Bah, beaucoup moins loin. Bah, c'est parfait, en fait. Non, mais dans quel état t'es? T'arrives plus à marcher? Regarde ce que je nous ai ramené. Non mais non, non mais Benji. Il a vu ça. Le but il me laisse. Mais par contre les enfants, la vie de ma mère, que je répète. Ouais. Non frère, je suis sérieux, je répète toi. T'es content ou pas? On a frère, on a rien mangé depuis un jour et demi, frère. T'es frites froides, ma gueule. Mais la vie de ma mère, t'as fait. Qui moi? T'es ingrat, frère. Fini, écoute-moi, fini, j'aurais pu les manger tout seul ces frites froides. Elles étaient chaudes en plus, comment je les ai eues? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris des bonbons à la queue, il y en a plein. J'ai fait comment j'ai des bonbons depuis tout à l'heure? En fait, concrètement, on n'a pas de plan pour dormir, on n'a rien pour dormir si ce n'est dehors, dans une gare ou un métro, quoi. Donc on se dit, quitte à dormir dehors, autant se poser dehors un spot pour faire du stop et tout. Et peut-être, par miracle, il y a un gars qui nous prend dans la nuit, quoi. Ouais, comme on dit, pas de repos pour les grosses merdes. Ouais, c'est ça. T'as vraiment mangé des bonbons? Je trouve à l'accueil. Pas se nourrir que de bonbons. J'ai le point d'attaque. Là, il est exactement minuit. Ouais. Ok, on a dormi un peu et tout, on est bien. Si maintenant, ça sert à rien. J'étais parlé avec la meuf. Il est quand même pas vers 6-7 heures. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dormir encore là, un peu. On se lève à 5h30 pétante. On est déjà demi? 5h. Et on part d'ici à 6h. Ok. Et on négocie comme des fils de pute. Vraiment là, vraiment frère, on va prendre deux postes. Toi, le poste que je t'ai montré tout à l'heure dans le McDo, moi l'autre poste. On va refaire une autre pancarte aux Osnabrück. T'en prends une, j'en prends une. Et là, on négocie partout. Faut qu'on aille à cette putain de ville de Osnabrück là, mes couilles. Là. Même partout où ça va, dans le sud, on y va. Faut qu'on descende là. En fait, on est trop dans le nord. Vas-y, on fait ça. On demande à l'accueil, demande une pancarte. T'es requinqué ou pas? Ouais, il me faut encore genre 35 heures de sommeil, c'est bon. On va pas avoir le temps là. On dirait pas comme ça, mais c'est énormément physique quand même. On dirait même, hein. On dirait que c'est physique. Ça se voit que c'est physique. Ça se voit que c'est physique. Ok. On marche des grandes nuits dans des forêts, frère, pendant 7 heures. Faut pas que c'est physique. Je pense que j'aurais été mieux préparé physiquement. Genre, j'aurais eu 10 kilos de moins, je ferais du sport assez régulièrement. J'aurais moins eu dur. Ouais, c'est dur. C'est logique. C'est le fait d'être un putain de geek qui fait du montage tout le temps qui me tue en fait. Oui, c'est sûr. Tes talons aussi. Ah ouais, les talons, déjà, il y a un surpoids qu'ils doivent supporter qui de base, ils ne doivent pas être là. Vas-y, Benji. Ouf. Où ça? Laisse-moi la frite.
Hein? Laisse-moi la frite. Ouvrez-moi, dis-moi. Attends, mais la fête de ma mère, écoute, jure-le, elle t'allait donner qu'une frite, ou là t'es en train de me. Elle t'a donné deux frites, et t'es en train de grappiller sur la mienne. Déjà. Non, mais vas-y, dis-moi. Tous les deux faim, toi tu te bouges pas ton cul pour qu'on mange. Toi tu manges des bonbons. Frère, tu vas te finir diabétique avec tes conneries. Tu sais qu'il voulait négocier une sauce curry, mais déjà les frites, j'ai mis. Vraiment? 20 minutes à négocier une frite. Ah, j'ai parlé à 4 mecs du McDo, frère. On dirait que je faisais un prêt immobilier, ma gueule. Tout ce que oui, ma gueule, c'est tout le temps. Dans l'argent du beurre, le beurre et le cul de la fermière. Mais nique ta race, la vie, je te prends les frites, la vie. Non. Non, Sacha. Sacha. Denis. Sacha. Demain, 5h. Putain. On a pas de panneau Strasbourg. T'as un feutre? Non. Mais ça, c'est le moins difficile à trouver. C'est le moins difficile à trouver. Dans la nuit, comme ça. Et toi, je viens de sortir. Je viens de sortir un carton. Et alors? J'ai rien fait, et alors quoi? Tu vas faire quoi, toi? Oh là là, le point est si. Venu, les amis, est-ce que tu crois encore qu'on peut gagner, Benji? Demain, on trouve un mec qui va en France, frère. Comment c'est la refaire, frère? Je suis capable de le sucer instant. C'est vrai? Tu sais que, premier degré, il arrive, il dit: je vais à Paris, je vous prends, mais juste vous faites genre. Sur ma couille? Ouais. Frère, je pense que je le fais. Tu le fais? Je pense. Je t'avais plein. L'honneur du mec. Imagine, quoi. Là, c'est la couille, je fais genre. Mais attends, viens, ça, c'est ta couille, je fais genre. Gare ta dignité. Je t'en mets pas, le bout de la langue, je t'en mets pas. On fait la barbe de tous les lits. Mais là, on a des barbes dégoûtantes. Ça, on a des barbes vraiment secs. Hein. Même les barbes, elles sont... Oh, arrêtez de faire ça. Vas-y, Benny Benji, demain, 5h. Vas-y. On se réveille et let's go. Vas-y, on fait bon. Vous êtes le frère, moi, je sais parler anglais déjà. Quoi. T'arrives à te faire comprendre. N'importe quoi, frère, je parle bien anglais. Petit accent, clac, clac. Petite vanne en anglais. Toi, t'es là. Je comprends pas ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose, il va le répéter. On est à l'université de Stuttgart, donc t'as plein de jeunes. Si on galère à dormir, on vient ici, on demande de dormir dans un 9 mètres carrés étudiant. Voilà. Imagine-toi, quand t'avais 9 mètres carrés étudiant, un Allemand vient te voir, tu le prends. Il dit, sera foncé, il dormir. Ouais, non, je pense qu'il rentrerait pas chez moi. Je pense qu'on va dormir dehors ce soir, si on dort. Et si on dort pas, c'est qu'on est dans une voiture. Dans ma tête, c'est impensable qu'on trouve une voiture pour Strasbourg ce soir. Et autant, je mets un petit truc, un petit côté de moi qui me dit, rien n'est impossible quand on y croit profondément et quand... Ok, alors laissez-moi vous expliquer, le micro de Gilsy à ce moment-là a arraché, il avait plus de piles, il s'en est pas rendu compte pendant longtemps, il est compte de malade! Alors Marceau et Gilsy ont marché pendant un bon moment pour trouver l'autoroute, et une fois sur place, l'objectif était donc de trouver une voiture. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché, après voiture, et ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc décidé de monter dans un parking pour dormir. Il y avait une ambiance très romantique, une ambiance incroyable, un petit rapprochement entre Gilsy et Marceau, ils se sont endormis ensemble sur l'asphalte. Mais arrivé 3h du matin, il faisait tellement froid sa mère qu'ils ont décidé d'aller dans le métro pour finir la nuit. C'était limite pire au niveau du confort et au niveau du froid. Gilsy et Marceau ont donc attendu le premier métro pour se rendre à l'aéroport. C'est la nuit du mat, comme prévu. Je me devais gratter une heure. Je suis motivé comme jamais. T'es motivé là? Ça va le faire, les gars. Non, la chance, il fait beau de ouf. On va galérer, putain, genre. Pas trop froid, ça va, ouais. Marceau, je sais plus faire comment on fait. Trouve-moi une caisse. Enfin, toi, je vais pas faire non plus. Quoi, on est venu à l'aéroport déjà? Ah oui, pour les blablacar. Bah, si on voit qu'on galère trop ici sur les parkings, quoi, on va sur l'autoroute. Ah, mais on va juste avant l'autoroute où les voitures vont pas. Ouais. Il y a juste un virage et après, t'as l'autoroute. Bah, vas-y, on fait ça. Ouais. Au moins, on est près de l'autoroute, quoi. Ok, bon, direction Strasbourg, toujours, let's go. À 10 ans, on est à Osnabrück. Tu penses qu'ils sont où, les gars? Ils sont plus près de la France que nous, ça, c'est sûr. Allô. Ah, je mange à manger. Il a dit un ici gratuit hier matin. Non, il a dit c'était gratuit. Ah non, c'est ok, sorry. Ok. Non, pas de coffee. Thank you. Bye bye. C'est des rats. Regardez notre spot de stop. Sinon, faut aller sur le parking de l'aéroport et choper les gens, mais c'est. Bon, on teste un peu là et sinon on ira faire ça de toute façon. Thank you. Ah, bah allez, on prend pas trop moral, on continue. On marche. Allez, on se décourage pas. Bon, la catastrophe, hein. Ça fait un bon 25-30 minutes. Mais raconte le plan B. Mais on a un plan B parce qu'on est
Los Profit Pesores. On a regardé donc hier les Blablacar pour aller de Stuttgart à Strasbourg. On a trouvé un gars qui part à 8h30 qui s'appelle Roméo. On lui a envoyé un message pour lui expliquer un peu notre projet et pour lui dire si c'était possible de nous garder des places qu'on lui paierait sur place, genre. Parce que du coup, genre, on peut pas payer avec la carte sur internet. Du coup, l'idée, c'est il est bientôt 7h. On en chie, c'est une galère. Donc autant aller à l'aéroport et récolter des sous. C'est 10€ la place. Donc il faut qu'on récolte chacun 10€. Qu'ensuite on pourra du coup payer à Roméo sur le moment. Et là vraiment c'est vraiment le glitch de dingue. Parce que pas besoin de faire de stop et la voiture déjà à nous. Faut voir si Roméo accepte déjà, il est toujours pas réveillé. C'est comment de ton côté Benji? Mon nom de famille c'est Charles, SCH. La vie nana que maintenant je renie mes origines, mon fils de... Je suis pas un gros fils de pute, si mon fils il aura le nom de ma femme. Vous êtes tous des putains de types de merde, vous êtes des bandes de riches, vous roulez en tout Audi en mer comme ma gueule. Vous pouvez pas nous prendre. Truc de fou frère. Ça fait une heure et... Aucun, y'a aucun humanisme, frère, chez eux. Ça passe quoi la charité, ma gueule? C'est un truc de fou, frère. Conduis, mais tu vas là-bas, frère. Prends-nous, bande de petites... C'est de la vraie rage, c'est de la vraie rage. C'est un truc de fou, en France, c'est pas comme ça, frère. En France, je fais maximum 3 quarts d'heure de stop, quelqu'un qui prend, et au moins 5 personnes qui sont arrêtées pour savoir où tu vas, frère. You don't have place for us? Thank you. Elle est gentille, elle a souri et tout. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? On teste encore un peu le stop ici. Ça marche pas terrible. On est un peu largué là, on tente tout en même temps, on a plan A, plan B, plan C, plan jusqu'à U. Bon les gars, ok, il y a un gars très gentil qui est intéressé par mon mensonge du Big French TV, je dis qu'il y a une tonne d'argent à gagner, il va nous amener ailleurs. Benji, on a un petit truc, il y a un gars, il va nous bouger plus vers l'autoroute. Oh non, il faut se mettre dans un bon truc parce que là c'est vraiment la catastrophe cette route, frère. J'ai craqué, je me suis mis à genoux, je voulais qu'il comprenne la détresse du mec. Là, je suis sûr, la meuf de l'accueil, elle se dit, mais il en a pas marre d'être là, ça fait 3 heures, ils sont là. Eh ouais, mais bon, tu vois, gueule, si t'avais déjà une nationalité qui serait plus humaine. Plus accueillante. Le plan U, c'est faire genre, je suis blessé pour qu'on nous prenne. Oh, ce serait fou. C'est pas mal aussi, ça. C'est mon plan préféré, le U. Une voiture propre pour 2 gros dégueux. 3, lui aussi. C'est que lui, il est pas mal. Je lui dis qu'on était là depuis 6h du mat' et qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner si on gagnait Pegasus. Ouais. Je vais te demander un billet, frère. Hello. No, you. Just, oui. Il a dit qu'il voulait pas qu'on filme parce qu'il avait une maîtresse. C'est ça qu'il a dit, Sacha. Ok, on est de retour à l'aéroport. C'est le moment tant attendu. Le moment un peu cringe-lous. Cringe au max. Bon, là, il faut qu'on récolte 10€ chacun. C'est relou, mais c'est faisable. J'estime que le stop, c'est pas fait pour nous. On n'est pas fait pour ça, ça ne fonctionne pas. Et je crois que c'est moi le problème. L'élément perturbateur, c'est moi. Sacha avec moi, on galérait. Toi avec Benji, ça glissait. Benji avec Sacha, apparemment, ça glisse. Toi et moi, ça glisse plus. Ouais. C'est moi le problème. Comment, c'est quoi la meilleure strat? On va voir quelqu'un, on dit est-ce que tu peux me mettre 10€? Je suis en galère. Ou est-ce qu'on fait 1-1-1? Moi je veux dire, est-ce que vous auriez 1€ pour l'autobus? Moi je dis 1€ pour le bus aussi. Arrête, t'as ta propre truc. Imagine, ils disent, mais le bus c'est gratuit ici. On va trouver un fan de foot, on se régale. Madrid ou Liverpool? Ah bah Liverpool. Liverpool, yeah. No question. Because? He's a Madrid fan, because... Prends les 20 centimes. Non mais oui, mais prends-les les 20 centimes, cousin. Bon, on la connaît, celle-là, il a vraiment fait. Ah. Charité en fait, peut-être ça. Non, mais t'as arrêté Chypre, mes degrés. Mais t'es un mec horrible. Je suis en mode survie là, frère. En mode survie, tu me passes une petite tirelire de charité, je la casse. Hein. Non, je rigole. Compliqué celui-là. Incroyable. Il m'a passé 5 boulas, lui. Sacha, I'm really blocked là. Oh, le doux frère, il est en compote. On a avancé, je pense, de 40 km. De 40? Ouais. C'est pas si mal, hein? Écoute-moi. Dans une heure, si on n'est pas dans une voiture pour aller à Osnabrück, ouais. On peut dire on arrête là, on rentre. Ok. Okay. Benji, depuis qu'il a des AirPods, c'est pire que Marceau, les frères. Il a tout le temps ses AirPods, on peut pas parler avec lui. Mais je les ai en transparence, j'ai aucune musique. Mais t'es un fils de pute, pourquoi moi il me donne 10 centimes? Max, hein? Frère, il m'a passé ça. Mais là, on est bon niveau cagnotte, hein? Tu sais comment tu sais que les Allemands c'est des mauvaises personnes? Pourquoi? Ils font payer les chiottes. Ouais, ça c'est abusé ça. Donc déjà niveau humanisme. Mais vous savez de faire payer les chiottes, en plus les chiottes elles sont même pas propres, frère. Tu sais que moi hier j'ai sauté, hein. C'est vrai? Quand on était dans le métro de Brême là. C'est vrai? J'ai sauté, frère, y'a personne pour me vérifier qui c'est qui c'est. Y'a quelqu'un qui va te demander une amende là? Tu peux sauter ça genre? Oui. Enfin j'ai pas sauté, je suis passé par en dessous. Ah oui. Ouais, on doit avoir farci presque 15 balles en pièces. Et un billet de 5 balles qui a été lâché en mode un peu limite méprisablement, comment ça a été fait. Mais je prends. On prend Roro? Roméo, il répond pas. On va regarder les autres, mais en tout cas, on bouge de cette putain de ville. Ça y est, en tout cas, on peut se payer une place de Blablacar. Non.
Thank you. Can you help us or? No. Ok, thank you. Nice day. Bon, le coup dure un peu aussi là. On a nos sous, ça c'est fou. On est à 20 minutes, zéro nouvelle. Zéro nouvelle, zéro news, il nous dit rien du tout. On est à l'aéroport en grande partie pour ce blablacar parce qu'on l'avait déjà repéré et rien. Donc on a pris, on a envoyé un message, une réservation à une autre qui s'appelle Cindy, qui est plus tard et un peu plus loin. Donc au moins, normalement, j'espère qu'on aura elle. Mais en fait les cousins, vous envoyez des blablacars, vous réservez, vous confirmez pas les réservations. No, I'm driving here the next station. Okay. I'm going away from there. Thank you. Good luck. Thank you. Donc ça, nous, il est l'heure de prendre notre bus avec les sous qui étaient prévus pour le covoit. Ouais. Mais les covoit nous ont annulé ces fils. Donc on rebondit sur un bus. Du coup, on perd 5 heures là. Normalement là, si on avait pris un covoit, on serait déjà à cette heure-là à Strasbourg en train de pouvoir bouger. Donc en fait là, on prend le bus à 11h. Et je sais pas pourquoi il prend 15 ans. Il nous fait arriver à 14h45 à Strasbourg. Et c'est très dur quand on réfléchit que le bus, il va son terminus au bus et Paris. Ah oui, oh putain. Donc nous, on doit descendre à Strasbourg parce qu'on a payé pour Strasbourg. Flixbus, ça me met une angoisse sans nom. Ça me rappelle des heures, des années très sombres de ma vie. Benji, ils vont à Paris. La vie de ma mère, ils vont à Paris, c'est des Français. Ils veulent pas. J'ai négocié comme un fou, ils me disent je suis désolé, on peut pas désolé. Je sais pas où ils en sont de leur côté, je sais pas comment ils avancent ou comment ils avancent pas, mais je préfère me dire qu'ils sont juste derrière nous tout le temps. We have to go to Paris. They go. This is a trip. They go to Paris. Yeah? But they don't want to take us. Why? And is this your car? That's my car. Yeah? And are you going to the south? You can? No problem, yes. Okay. Thank you so much. Benji. On va aller à Dortmund. Et frère, on arrive à Paris. Frère, il veut pas. Je vais le renégocier, frère, je vais le renégocier. Ils ont de la place ou quoi? Ils ont de la place en fait. C'est une société, je comprends pas tout. Le camion va à Paris là. Négocier un peu toi aussi. Ça serait vraiment. Genre vraiment. Est-ce que on peut juste avoir la raison, chef? It's not my van. Yeah, it's okay. Not my society. It's not my car. I'm just a driver. Voilà. I can. Faut qu'on prévoie notre itinéraire exact pour dès qu'on sort du bus. Hop, Strasbourg, hop, Paris. Là, c'est sérieux parce que Paris, c'est pour ce soir, je pense. Si vous avez une société, ça peut vous vraiment faire un coup de com' de fou. Ça va être vu par des millions de personnes. La société va exploser. Ça va être vu par beaucoup de monde. C'est vrai, non, mais c'est vrai en plus. Même les Français, je les aime plus. Par contre, je re-kiffe les Allemands. En tout cas, on rentre en France, c'est déjà un bon point. Et je crois qu'on est les premiers. Enfin, je ne crois peut-être pas, mais je crois qu'on est les premiers à rentrer en France. Ouais, je pense qu'on est les premiers. Hein. Ouais, parce qu'ils étaient dans l'hôtel il y a vraiment 4 heures. Quoi. Donc... Tout ça pour arriver deuxième, ça me foutrait les boules. Si on a dormi sur un parking, si on a marché dans des forêts, si on a fait tout ça, dormi dans des métros et tout pour finir deuxième. Par des mecs qui sont allés à l'hôtel. Puis qui ont dormi à l'hôtel par une équipe qui se joue à 1 au final. 1 plus un cadavre qu'on tire. Franchement, j'aurais trop le démon, mais méritoire de fou de l'autre côté. Welcome to Germany. Thank you. So you go to Dortmund, right? Go to Dortmund. Yes. What are your name? Arbrecht. Patricia. Okay, Patricia is French. But French. Not French, but we have this name in France. 26 minutes. Regarde le chiffre bien. On a une heure de retard. Le bus, il a une heure de retard. Il a une heure de retard, fils de. Je déteste Flixbus, la tête de ma mère. Faites faillite là. Oh non, sa mère, putain, j'ai trop le seum. C'est ça qui va nous faire perdre la vie de ma mère. Là, j'ai pris un coup. C'est la vie de la mère, on va perdre à cause de ça. Oh, je suis au fond du gouffre. Oh, je suis au fond de la gaufre. Les amis, c'est trop grave ce qui se passe, faut que je vous explique. Le conducteur, gentil de fou, c'est abusé. Il nous dit où est-ce que vous voulez aller. Nous, on dit Dortmund. Il me dit ok, cherche un endroit, un truc, parce que je lui dis faut vraiment pas qu'on rentre dans la ville de Dortmund, sinon on est mort. Il me dit vas-y, bah, cherche une aire d'autoroute près de Dortmund où vous pouvez aller. Je vais pour chercher et je me dis ben, j'y vais chercher avec moi parce que voilà, on est en une équipe, tu vois. Si je fais tout seul depuis le début, je regarde sur le téléphone et il avait marqué. J'entends quand même parler les gens avec la réduction de bruit parce que je lui parle et parce qu'on parle avec lui. Non, mais parce que normalement, je dois plus entendre personne quand je mets la réduction de bruit. Il me dit on est en train de faire quoi là, David? Moi j'ai pas envie de vous entendre parler en fait. Mais écoute-moi ce que je vais te dire. Si la prochaine personne que je vois et dit je peux prendre que un, je monte dedans et je te laisse tout seul. C'est honte, je suis dépité. Je vous l'ai dit, je vais finir tout seul l'aventure. Non, mais viens, on fait les plans là, on va où? Cherche une gas station près de Dortmund sur l'autoroute qui va à Cologne, c'est simple. T'inquiète, vas-y, je m'en occupe, c'est bon? Vas-y, t'es sur le coup. Juste me parle, toi. Ok. Ta mère. On est ensemble, une équipe, frère, c'est vrai. Do you have water or something? Yeah, whatever we have. Thank you so much. Coca-Cola, cold. No, it's good. It's okay. On va le dépouiller s'il dit ça, frère. S'il veut qu'on le dépouille, on va le dépouiller, frère. Viens voir Becca, alors. Viens, on reste pas là. Une heure et demie plus tard, notre bus est enfin là. Marceau, j'ai encore perdu mon masque. Tu m'emmerdes. Merci. C'est terrible quand on se dit que le bus qu'on prend, il va à Paris-Bercy. J'ai à deux doigts de tricher. Je vais pas le faire, ça va. Incroyable. Oh, j'ai pas de même musique. Tu me parles pas, tu me regardes pas, cousin. Ça y est, on est parti pour Strasbourg. L'Albanais nous a déposé. L'aventure continue.
Là, ça fait plaisir parce que j'avoue que ça commence à creuser. Il y a un camping-car, on va gratter dans le camping-car. Ils vont nous dire non, putain, je vais craquer. Là, faut qu'on bouffe là d'abord. Ça m'empête les pattes, ça. On va faire un panneau. Enfin, mais tu vois, mon gars, on fait des panneaux. Voilà, je te dis aussi, tes putains de panneaux de merde. Je peux rentrer, c'est un peu. Putain, on aurait dû rester à l'hôtel pendant deux jours et attendre qu'ils arrivent à Paris, on aurait été pépé. T'es pas un compétiteur dans l'âme. Bien sûr, quand il y a un compétiteur dans l'âme, mais quand il y a l'équipe en face, frère, qui prend 4 trains pour arriver en France, bien sûr, je suis plus, frère. Vraiment, hein? Arrête de te prendre ma gueule. Je me plains pas, frère, je suis réaliste. Je peux rentrer. C'est bon, bah après c'est bon. Mettez des chaises un peu ma gueule, non? Mets pas de chaises, frère. Donc sinon on va se faire enculer. Je peux rentrer ce Nicolas. C'est sûr, je les enlève, elles sont cambouillées. On y va en mode good mood, ok? It's for big, big French TV. English. No, thank you. The goal is to return to Paris. Hello. It is a race between a lot of teams and we have to go to Paris very, very fast. You go to Quebec? Yeah. Arrête, imagine, il stoppe le bus et il veut te frapper. On perd du temps. Oh, thank you, my friend. Let's go. Ça va vite, ça va vite, ça enchaîne, on va les tuer. Strasbourg. On arrive. Johnny pour la qualité. Non, mais je suis quoi là? Je suis pas. Je suis en train de te parler, je suis en train de te parler. Les gars, c'est trop grave. Ok, on est avec le Sacha, c'est bon, on est descendu. On est arrivé à Cologne. Là, on n'est pas sûr de notre plan. C'est pas le meilleur endroit pour aller Aix-la-Chapelle, prochaine ville. Et ensuite, du coup, on pourra rentrer en Belgique, on pourra parler français, ce sera nickel pour baratiner. Frère, Aachen, c'est Aix-la-Chapelle, frère. Aachen. Aachen, c'est Aix-la-Chapelle. Je t'avais dit, frère. Aachen. 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 French TV show. Let's go. We are happy. We are not méchant. We are a good guy. I need to go to Aachen for the French TV show. Aachen, please. On lâche rien, toute l'énergie qu'il nous reste, on la donne. Aachen. Aachen, please. You. Let's go. On a trouvé un camion, les gars. Très très gentil. Bon, on va être un peu serré, mais let's go. J'ai chaud, tu sais. J'ai chaud, sa mère. Ouais, ça, le trajet va être long. On est arrivé sur une belle heure d'autoroute, commence à avoir des Belges et tout, c'est stylé. Moi je pense qu'on est à Paris ce soir, frérot. On est là aujourd'hui, on est chaud, frère. On a pris direct 9 voitures, frère. En un jour. Hello. Ok, we have to go to Paris very, very quick. You go to Paris? No. Thank you. We have to go to Paris. That's a shame. What? I don't know, shame. What's a French TV show about? The first who go back to, who went back to Paris win the prize. Of how much? 10,000. Fucking hell. How much do I get? You? Yeah. You okay? No, no, il a dit combien vous me donnez. Ah. We can't give you. We don't have to spend money to travel. Where are you going? We're going to Calais. You go to Calais? Yeah. And we can't go with you? Calais, c'est très bien. Je vais nous poser à Lille. Passe par Lille. Il nous pose à Lille, ma gueule, et après. Tac, Paris. Yeah. If you can't, no problem, but if you can, yes. I'd love to help. Oh, you're a nice man. Yeah. You like French people? I hate the French. Eh les gars, si vous êtes dans la vidéo là, tout de suite, ça se joue maintenant. We come with you or we stay here? Oh, wait here, let me go. Okay. C'est parti. Là, je sais, mais il va revenir. Ah, tu comprends l'anglais? Mes frères, arrête de foutre de ma gueule. Sacha, il s'est barré. Toujours, il s'est barré. C'est un fils de pute. Il a dit qu'il aimait pas les Français, il a fait exprès. You speak French? Ouais. Non, en fait, je ne peux pas te prendre dans les camions, c'est interdit. Parce que si mes voix, c'est problème. Voilà. Le côté de Liège, je ne peux pas te prendre, mon frère, je ne peux pas. Si t'as trouvé des problèmes, c'est pas grave. Ouais. T'as trouvé un mec, je filmais pas. Really? Je vous amène à Aachen. Where do you want to go in a place like this or in the city? Another place like this, if possible. Okay. Les amis, là, c'est du génie ce qu'on est en train de faire. On leur dit, on réserve les restos sur Paris ce soir, les frères. Ils vont paniquer. C'est de la merde, ton truc. Ça va plus les stresser qu'autre chose. Du coup, ils vont en trouver d'énergie. T'es en train de foutre la merde tout seul. C'est bon, on vient d'arriver. Thanks to Kylian. Ex-la-Chapelle. Et en vérité, Aachen. Ouais. Kylian, the best. Benji, il faut aller faire des cartones. Je me souviens avec tes cartones qui ne servent à rien. Il a eu son cartones, lui. Ah ouais? Il est venu voir, il m'a dit, go away. Je lui dis, my friend speak a bit of English for me. Voilà, avec Sacha, on a abordé un français, c'est un français? Oui, c'est un français. C'est Range Rover Blanc, c'est lui? Range Rover Blanc. Ouais, il nous a dit attendez ici, je sais pas, il allait faire caca, il revient. Je pense que là il nous a fait attendre genre pour qu'il mange et tout. Je pense qu'il va pas nous dire non. Il nous aurait pas fait attendre pour rien, je pense, tu vois. S'il nous met sur l'autoroute juste sur la A34, ma gueule. S'il nous met sur la A34, frère, c'est fini pour lui après. Bon, t'arrives en France avec ma mère, c'est toi qui vas parler aux gens. Hein. Tu sais parler français. Oh, frère, j'attends que ça, moi, de parler aux gens. Bah oui, moi aussi, j'attends que ça.
Il arrive bébé. Pas de vidéo non plus dans la voiture. Non, okay. Pas de soucis. Pas de soucis. Anonymement. Okay, pas de soucis sur ça. Merci chef, c'est incroyable. Pour l'instant, c'est sans faute. Là, c'est la merde. Aucun à Strasbourg. Faut vraiment qu'on se dépêche de fou. Ils ont fait une story. Ils sont dans une voiture. Ils ont dit ouais. Ils ont dit on réserve quelques restos pour ce soir. Mais je crois qu'ils avancent bien. Je crois qu'ils avancent vraiment bien. Je crois qu'ils avancent bien. On a 8 heures de retard. En grande partie à cause de Flixbus et de Roméo et Cindy. Des Blablacar. C'est bon, le frérot il nous a déposé. Et si j'annonce officiel, on est en France, les bébés. On est en France. Je sais pas si c'est vraiment serré de leur côté, mais je crois que c'est. Il y a moyen que ce soit une égalité peut-être parfaite en ce moment même. Non, je t'ai trompé, les Z, c'est pas dans ce sens. À chaque fois, je fais ça. À chaque fois. Là, le problème, c'est qu'on est vraiment un peu au milieu de nulle part. Rince. Hello, let's go. Putain, j'ai l'habitude de parler anglais maintenant. On a trouvé la dernière route après qui mène à l'autoroute. Oh, les bâtards, ils ont fait exprès. Ça te fait rire, fils de pute, on a une victoire en jeu, nous là. Bonjour pour aller à Reims, Pékin Express. C'est mon Pékin Express. Bonjour. Vous allez à Reims? Est-ce qu'il y a une aire d'autoroute plus près? Parce que là on galère un peu ici. Et ça va vers Reims après? Merci, c'est gentil. Vas-y, 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 parle. Vas-y. Quoi? Oh non, mais là, quel enculé! On a pris trop de temps là, genre? Mais non, mais fils de pute là! On vient de Pologne là! Ah oui? Oh stop! On change de spot, on se rapproche un peu plus de l'autoroute. Complicado de fou. Je déteste faire du stop, putain. C'est fou de faire le malin alors que t'as dormi tout le long. Sacha, il peut faire les stories. Bah oui! Lui, il peut fermer sa gueule. On nous a déposé. Ah, oh, c'est bien, on va bien se positionner. En tous les cas, là, sur le rond-point où on est, les gens qui allaient à Reims sont obligés de passer par ici. On s'est rendu compte que je me suis trompé sur l'orientation de l'autoroute et que c'est dans l'autre sens. Donc personne ne va à Paris par là. D'où les refus, peut-être. Avec sa baratine sec ici, frérot. Franchement, honnêtement, j'ai été un bon élément tout le long de l'aventure dans l'équipe. Mais là, pour le coup, j'ai donné une indication. Ça fait au moins une bonne demi-heure, une heure qu'on fait du stop dans le vide. Et au final, c'était Marceau qui avait raison, on est revenu au point de départ. Je sais pas s'il boude ou s'il est concentré, mais là, j'ai abusé. Là, je sais, j'ai abusé. Ça y est, frère, c'est bon, tu vas pas non plus faire la gueule en faisant parce que je me suis trompé de trucs. Il boudait, du coup, c'est bon, il boudait, c'est sûr. Vas-y, ça se joue maintenant. Let's go! Let's go! Aidez-nous, monsieur! Laurent Ruquier! Aidez-nous! On est trop agressif. On a trouvé quelqu'un qui peut nous amener à un péage. Oh, merci, hein. Pas de problème. Pfff. Vous avez un péage spécial où vous voulez aller ou... Bah ouais, pour aller vers Paris quoi. Je peux vous présenter le péage de Saverne si vous voulez. Je connais pas du tout. Ah! Quel roi, incroyable. Ça, il nous sauve peut-être l'aventure. Merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup. Aucun problème. Au top. Allez, on y va, on est chaud. Ciao, merci frérot. Je sais pas s'ils nous connaissaient ou pas. On en a pas parlé, on sait pas s'ils nous connaissaient ou pas. Je sais pas comment positionner. On fait que place M6, aidez-nous s'il vous plaît. Reims. C'est fou. Merci monsieur. Ok, bon là c'est un peu relancé, on va au péage direct. Là déjà on aura beaucoup plus de chance, frère. C'est obligé, il y en a, ils vont à Paris là, frère. Merci chef. La direction 1, que tu vas pour moi. Ah. Ouais, c'est frère, on peut pas faire mieux qu'ici. Y'a personne qui va à Paris là. Let's go. Bonne chance hein, les gars. Merci beaucoup. Bonne route. Merci. Gaffe à vous. Je crois que c'est bloqué notre côté. Ouais, c'est Clio 2 hein. Merci boss. On enchaîne bébé. Cours vite le bâtard frère. T'as pas le même poids ma gueule. Ça c'est le taxi, je m'en bats les couilles. Il m'a fait ça. Bonjour, c'est pour la télé Pékin Express, c'est moi, arrivé. Let's go. Vous allez où les gars? Reims, yes. Let's go. Thank you my friend. Sorry for your friend at the back. Qu'est-ce qu'on va te défoncer avec toi? On reste? Si vous la 40, ça part. Are you comfortable? Ah là, I'm going to smoke the wind. Wherever you want to go, you tell us. Here, it's possible. So we're going to relax. Here, it's possible or not possible? We are going here. So how long you two been faking one another? Huh? How long you two been faking one another? How long you been friends? I don't understand what you're saying. How long you been faking?
on perd pas espoir. Nice to meet you, boy. Yeah. Bye bye. Nice. Goodbye. Thanks, my friend. C'est des putains de fous, ces Anglais. Il m'a fait crever, Sacha, le conducteur, il était comme... Attends, mais c'est un film ou quoi ce qu'on est en train de vivre, là? Je vois pas, dès qu'on voit des mecs, c'est toujours une catégorie différente. Oh, mais là, c'était chaud. Oh, je suis défoncé, frérot. J'ai fumé dans ma bouche, frère. Fumé dans ma bouche. À un moment, il est passé à côté de la voiture, frère. Il est malade. Complètement défoncé, frère. Il mangeait dans mon oreille, ma gueule. Je voulais rien, ce qu'il disait. C'était complètement pété, frère. Il y a une, elle va s'arrêter, ça va être Paris instant. Tu vas voir. Bonjour, c'est pour la télé Pékin Express. Rince, madame. Hello, Rince. Rince. Ok, bisous. Rince, Pékin Express. Pékin Express, Rince. Coucou les filles. Ouf. Elle a failli se rentrer dedans à cause de nous. Ils ont failli avoir un accident. On perd pas espoir, frère, on va y arriver. Ça se trouve, ils sont aussi bloqués que nous, frère. On a pas fait tout ça pour rien. Vous êtes abonnés? Bah oui, bien sûr. On a une règle, qu'on n'a pas le droit de se faire aider par les abonnés, les gars. Non. Ouais. Est-ce que la conductrice nous connaît? Là, il faut qu'elle soit honnête. Vous allez à Reims, là? On n'a pas le droit, les frères. On n'a pas le droit. Là-bas aussi, attends, tiens, attends, je faut que je demande à Firoz. Est-ce que tu nous connais, toi? Non. C'est vrai? Elle nous connaît, on ne connaît pas. Et sinon, regarde, on va sur Instagram, s'ils nous follow, on n'a pas le droit. Ouais, non, on n'a pas le droit. C'est la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de s'abonner. On refuse 3 voitures. La vie de ma mère, ils prennent un abonné, c'est fini, frère. Ouais. La vie de ma mère, Marcel, s'ils prenaient un abonné, plus jamais, je joue. Donc dis-leur clairement, s'il y a un seul abonné dans la voiture, personne ne nous prend. S'il y a un abonné dans la voiture et qu'il s'arrête pas parce qu'ils t'ont reconnu, c'est mort. Par contre, s'ils s'arrêtent et qu'ils sont en mode montez et carré, ils font ah mais on se reconnaît et qu'on savait pas, là c'est pas de notre faute. C'est pas de l'énergie quoi. C'est pas de l'énergie. C'est une smart, qu'est-ce que je fasse avec ça? Trace ta route, ta petite voiture. Merci mon gars. Ah monsieur, vas-y, je suis en retard, c'est pas grave. Okay. J'aurais bien aimé qu'on me le fasse. Ah, t'es vraiment un frère, vraiment. Tu nous connais pas, on est d'accord? Non. T'es sûr? Non. Ok, let's go. Je suis en retard et tout, je me suis dit, combien de fois je l'ai fait ça en rentrant du lycée ou quoi, là, la galère. Ah, t'es un frérot de ouf. Je vais essayer de mettre un endroit bien stratégique pour aller à Paris. Ah, ce serait... Let's go. Va où? Jure la vie de ta mère. C'est un taxi, frère. Jure la vie de ta mère. Mais let's go, frère. Un taxi qui va à Paname, gratuit. Mais mec, c'est un truc tout fou, frère. Mais let's go, frère. Oh oui. Incroyable. Merci Calvin, le boss. Y'a pas de quoi. Viens sauver de plusieurs junkies. Vous allez gagner. Merci frérot. T'as un truc à pas, un message à faire passer n'importe quoi. Franchement, c'est des vaillants. Moi, je pourrais pas courir plus vite que ça. Le mec va nous prendre, il s'arrêtera. Ah, mais frérot, il s'est pas foutu au péage là. Je pensais que c'était bon en fait. Faut marcher encore 2 km pour atteindre la A4. Et là, la A4, direction Paris. On a plus de panneaux. On a 2 km à marcher. Et après, c'est la dernière étape direction Paris. Je sais pas où sont des marceaux. Nous, c'est le rush. Ah, mais c'est incroyable frérot. Ah ok. Putain ma mère, vraiment je me laisse beaucoup. Tu t'appelles comment? Anis. Anis il nous sauve la vie. Là c'est on est parti à Paris. Un taxi qui nous fait... Ça c'est jamais vu ça de ma vie. Hein. C'était pas perdu. C'est pas perdu gros. Ah frère c'est un truc de fou. En plus j'ai vu taxi et tout, je me suis dit c'est jamais de la vie. Ouais. Elle est à ligne droite ma gueule. Paris ou rien maintenant. Paris ou rien les gars. Pour Paris, c'est pour Pékin Express, monsieur Pékin Express. Là tu le C'est la course la plus rentable de l'histoire. Enfin, ça dépend pour qui. Allez, on va mettre le compteur. Genre, on voit combien ça nous aurait coûté à la fin. Incroyable, quel compteur il commence maintenant. On voit combien la course elle aurait coûté. C'est pas fini, frère. C'est pas fini. C'est pour Pékin Express. Let's go. Oh là là là. Ah mon gars, tu nous sauves la vie de fou là. Je sais pas où ils en sont, le stress monte, la pression elle monte là. Je suis à Saint-Brice, je sais pas si tu connais. Le cousin habite là-bas. C'est qui? Mais sur la Villeneuve, c'est même pas grave. C'est vrai? Sur la Torre, ils habitent à. Mais sur la Villeneuve, je les connais très bien. Ah, oui. Sur un chien, Kaina. Ouais, Kaina. Sur la Villeneuve, je t'appelle, c'est où? Bon, merci beaucoup. C'est là, sur le trottin jusqu'à la fin. C'est où le D là? Ah, t'as ils en prennent un coup là. Merci, c'est incroyable, merci. Incroyable. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Incroyable. Garde du Nord, Garde du Nord. C'est où Garde du Nord? Bah, la course, ça serait à 1000 balles. Ça va le faire, frère. RERD. Benji, faut se grouiller. Toi, vous connaissez à Paris, donc ça peut être que là. Putain, ça va se jouer à rien, les fils de pute, Benji. Dis-toi qu'on a été beaucoup plus rapide que frère, on a pris une nuit carrément, on s'est mis PPR dans un hôtel. On s'est mis Pépouze. Je suis sûr, ils ont fait beaucoup moins de. De voitures et tout. De voitures. Ah ouais, faire notre voiture. On a pris au moins une dizaine de frères. On a fait la voiture.
Les amis, on descend dans 3 stations. On est sûr. Je sais pas pourquoi on est sûr qu'ils sont déjà arrivés. Mais comme on ne sait pas, quand même un stress de fou, genre. Moi, je serais deg si on gagne pas. Parce qu'on a une dame qui est au on réussisse ou pas, on a fait une aventure de fou. C'est toi. Aucun regret. Aucun regret, frère. C'est Fionas. Oh, Johannes, fils de pute. Johannes, fils de pute, quel regret, Johannes. Moi, je pense que c'est sûr, on a perdu, frérot. On n'a plus de nouvelles, ils font les malins. On est rentré dans Paris et on est du côté de Bercy. On va dans le 8ème rue de Courcelles. C'est incroyable comment on est dans le flou. Anis, il nous a fait un Need for Speed sur la route là. Anis, qu'on gagne ou qu'on perde, sache que t'as été notre héros sur l'aventure. Ah, avec grand plaisir, les amis. Incroyable. Les amis, ligne 2, on est mort. Faut courir quand même. Bah où là ? Ligne 2, ma gueule, c'est où ? C'est là, regarde. Allez, ben cours, j'en supplie. On arrive dans 22 minutes. Ah oh, putain, j'ai stress. J'ai pas envie de voir leur tête à eux, la fille de ma mère. La tête de Benji qui a dormi tout le trajet, frère. Cousin, il a fait que dormir, quoi. Merde, là, il va falloir frotter fort. Je crois qu'on l'a perdu, mais on va tout donner, les gars. Il est rentré par ce fou. J'y croyais plus. Genre, on va pouvoir se doucher. Oui, je sais. Bah, je t'inquiète. Ah, ok. Il va trop vite, frère. Non, je peux aussi. Tu peux doser ? Ouais. C'était pas une question. Tu peux doser. Quand on défonce les portes, frère, tu te laisses là comme tu cours. Moi, je peux pas. Le sang est tendance à tirer et tout. Je suis content de finir l'aventure sans faire d'efforts physiques. Ouais, ça, c'est fou. Ouais, ça, c'est incroyable, ça, c'est un luxe. Je me voyais pas courir dans tous les transports et tout là dans les métros, en tout cas, mais ça va bien. C'est ça, en tout cas, frérot, c'est parce que j'ai vraiment kiffé cette aventure avec toi. C'était fou, on a vécu vraiment des trucs incroyables. On est tombé avec tous les types de personnes. Ah, voilà, tous des jeunes, des vieux, des mères de famille, des pères, des hommes, des couples, tout. Voilà. C'était fou, c'était très fatigant. Des amis vieux, tu te rappelles, au début c'était deux vieux amis. Ouais. Imagine, on est dans la voiture. Et là, on entend un appel, Anis il répond, on entend Sacha qui fait. Vous croyez vraiment que c'est ça, les gars? Et là, boum, ils nous embêtent quelque part. Il reste 2 stations, les frères. Ah, oh, ça me fait. C'est juste à droite là-bas. Frère, je tremble. La vie de ma mère, je tremble. Frérot, c'est l'heure de courir. Là, c'est pas du narguilé, frérot. C'est là. Pas du narguilé. Pagoda Paris. 48, non ? Rue de la. 48, 48. Ah putain, c'est 48 rue de Courcelles, je suis trop con. Il est derrière, du coup, faut faire demi-tour, genre. Oh, je suis trop une merde, Marceau, c'est abusé. Cours, t'inquiète, fais gaffe, je pense que c'est mort. Tu connais, on lâche rien jusqu'au bout, les frères. Allez, let's go. Arrête. Faut qu'on gagne, Marceau. Il y a la mise à l'heure, c'est pas eux. Je suis mort. Après, j'ai plus d'énergie. On a pas beaucoup mangé, on a pas beaucoup dormi. Annie, j'ai peur. C'est toi, t'as merdé là sur les derniers. Mais oui, c'est ça. J'ai fait n'importe quoi. Putain, imagine, on a perdu sur ça. Allez. Tu nous attends vite fait ? Ouais. Let's go. Je vais me prendre une clim, là, je sais. Let's go, Marceau. Ils sont pas là, est-ce qu'on a gagné ? Ils sont où, frère ? Ils sont où, frérot ? Attends, on attend Benji, là. Ça va ? C'est bon qu'on a gagné à Saint-Denis. 3, 2, 1. Non ! On a gagné ! On a gagné ! Oh, let's go ! Oh, c'est fou, frère ! Allez, oh, c'est bon. Ah oui ! On a gagné ! Ah oui ! Ah les bâtards, non ! Eh oui ! Oh non ! Oh, je suis dégoûté, frère. Vous êtes arrivé il y a longtemps ? 25 minutes, 30 minutes. C'est joué, c'était ultra serré. Vraiment comme la première saison. Oh là là, frère. Oh putain, ah c'était dur, sa mère. Ah c'était dur. Bravo les gars, putain. Ça va, frère, t'en as chié, on va dire. Ça va ? Ah c'était dur, sa mère. Anis, il y a 1200 euros. Merci beaucoup, Anis. Anis, il nous a sauvé, frère, de Strasbourg à Paris, ligne droite, jusqu'à ici. Vas-y, on va voir le compteur. 1200 balles. Ah non, putain, on a fait une merde. La meilleure aventure, on pouvait pas faire mieux que ça. De toute façon, on a donné le max. On a regretté, on a fait le max. On a donné le max qu'on pouvait donner, frère. Merci encore, Anis, frère, franchement. C'est grave ce que t'as fait, merci, frère. Merci beaucoup. Putain, bravo, Sacha. Bravo, frère. Je suis content pour vous les frères. Putain, bravo les frères. Quand même. C'était une bonne expérience. Oui et non frère, ouais. C'était terrible. Mais oui si on a kiffé ensemble, c'était fou. Les frères, ça a été dans aucun monde le scénario pourrait être comme ça, encore être serré à ce moment-là. Bravo à vous hein, parce qu'en vrai, c'était fou. Chaque équipe méritait amplement de gagner. Et je crois que en conclusion, vous avez été beaucoup plus rapide que nous, genre. Ouais. Parce que nous en fait, on était jamais. En fait on se posait jamais. Vous êtes posé presque 20 heures dans un hôtel. Ouais.
Nous, on s'est pas du tout posé et pourtant, vous avez mis une distance, là, genre tout premier du temps. On a pris entre 15 et 20 voitures. Wow. En tout, tu sais combien on en a pris? Non. 5. 5, ouais. En tout. Mais nous, frère, on faisait des 10 km, 10 km, 10 km. Ah oui, tu faisais ça, toi? On prenait tout ce qui venait, Tout ce qui venait. Et on prenait maximum 15 minutes pour trouver un stop à chaque fois. Non, nous, à chaque fois, c'était entre 2 et 3h30 d'attente. L'ami, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et Hassan, quand même, merci aussi d'être venu, frérot. Ah oui, Hassan qui a joué un rôle prépondérant sur la saison 1. C'est mis beau, c'est tout. Ouf, et qui joue un rôle prépondérant sur la saison 2. Hassan, la mascotte de Pékin Express. Sauf, frérot, attends. Arso, mon coéquipier. Oh, bien joué quand même. Colombien, ça nous a sauvés dans des nuits froides. Ah oui, ça oui, frère. Quand on a dormi sur des parkings, etc., les vêtements Colombia, quand il faisait chaud au Colombia, c'est fait pour, de toute façon, et c'est parfait. Donc merci aussi à Colombia de nous avoir suivis sur un concept aussi fou, encore une fois, sur des aventures aussi folles. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vraiment ça valait le coup pour vous et pour nous. Pékin Express 3 ? Non. Non. Alors, par contre, posons les bases, il n'y aura plus de Pékin Express. Je le dis, j'arrête les saisons de Pékin Express, j'arrête. Trop dur, ça y est, j'arrête. Oui, frérot. Du coup, je suis le joueur le plus titré de Pékin Express. Oh le bâtard. Et qui est de mon titré? Je crois que c'est vraiment moi le problème, hein, en général. Tout le monde a gagné une saison. J'en ferai une toute seule pour gagner. Je ferai une saison seule. La Mif, merci beaucoup. Merci à tous d'être là depuis le début, d'être là à chaque fois et d'être là au rendez-vous à chaque fois qu'on vous donne rendez-vous. C'est incroyable. Vous nous faites vivre des trucs de fous qui sont pas toujours bien, mais qui restent dans tous les cas fous. Et c'est incroyable. On se voit très vite pour des prochaines aventures, pour des prochaines vidéos. Je vous kiffe. Je vous faire. Câlin général. Pékin Express, plus jamais. Plus le chèvre miel.